Bonjour, je suis Luc Lagier et vous êtes sur le blog du Festival Entrevue de Belfort. Alors je viens, ça faisait à peu près 5 ans que je n'étais pas venu, donc je redécouvre à nouveau le Festival Entrevue de Belfort. Il y a une programmation impressionnante cette année sur le cinéma, la télévision, la télévision qui a produit des auteurs pour des téléfilms, on appelle ça les téléfilms. Et on s'en rend compte que ce sont des œuvres, les Chabrol, les Téchiné, ils ont fait des œuvres aussi importantes à la télévision qui ont tout à fait leur place dans nos filmographies. Donc ça, c'est une grande redécouverte. Et donc c'est, je crois, le point fort du festival cette année. Et puis il y a malheureusement les films que je ne pourrais pas voir personnellement, qui sont les films de la compétition, à la fois documentaire, court-métrage et long-métrage. Moi, je suis un enfant de télévision, donc j'ai découvert le cinéma par la télévision. Les premiers Hitchcock que j'ai vus, c'était pas à la Cinémathèque, c'était sur TF1, quand ça passait le dimanche soir. Ensuite, le Ciné-Club de Claude-Jean-Philippe sur Antenne 2, on appelait ça à l'époque Antenne 2. Le cinéma de minuit sur France 3, c'est là où j'ai découvert les Fritz Lang, les westerns. Et ensuite, je suis allé au cinéma. Donc j'ai fait un système comme cela, de d'abord la télévision, et j'ai aimé découvrir par hasard des John Ford, par hasard des Fritz Lang. C'est pour moi le plus beau de la télévision, c'est de proposer à des spectateurs qui ont 14 ans, 15 ans, parfois même plus jeunes, de découvrir un chef-d'œuvre presque par hasard. Alors j'ai commencé par écrire dans des revues papier et à écrire des bouquins, des livres sur le cinéma. Et il y a toujours eu quelque chose de très douloureux quand on écrit sur le cinéma, c'est de décrire la scène pour que la personne qui vous lit comprenne bien ce que vous racontez. Là, le grand avantage, c'est quand vous travaillez sur l'audiovisuel, avec des extraits de films, il y a un gain de temps par rapport au texte que vous écrivez en parallèle en voix off sur les images, qui fait qu'il y a une évidence de montage, il y a une évidence d'image, il y a des images qui raccordent et qui disent quasiment tout sans texte, sans voix off. Alors moi j'ai dans le blog et le web magazine que je réalise, il y a effectivement de la voix off, mais je peux dire bien plus de choses que le simple texte par la juxtaposition des images et par un visage qui va correspondre à un autre visage et un bout de dialogue ou une musique qui va correspondre avec une autre musique. C'est tout l'avantage du montage sur le cinéma. Alors, j'ai écrit un livre sur Brian De Palma, j'ai aussi écrit un livre sur John Carpenter avec Jean-Baptiste Torré en 1998 et j'ai écrit un petit livre sur Hiroshima, mon amour de René. J'ai longtemps couru après l'idée d'écrire un nouveau livre sur Milos Forman, qui est un cinéaste que je trouve peu travaillé, et qui est un cinéaste qui a fait avec Amadeus, Faux au-dessus des coucous, Man on the Moon ou Technov des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Je n'ai pas le temps. Donc peut-être que mon blog s'arrêtera, je retrouverai plus de temps pour me consacrer pendant 3 ans à l'étude d'un cinéaste. Voilà, c'est une question de temps. Très bonne question. Les thèmes choisis dans Blob sont en fonction vraiment de mon inspiration. Récemment, je voyais Patterson de Jim Jarmusch avec cette poésie qui s'écrit à l'écran. Et je le regardais en famille. Je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en DVD. Et je me disais, tiens, si je faisais quelque chose sur l'écrit au cinéma, le moment où l'écrit arrive à l'écran, le catalogue Ikea dans Fight Club, la poésie qui s'écrit à l'image, le texte qui s'écrit à l'image. Et à partir de là, j'ai quasiment arrêté de regarder Patterson, j'ai pris des notes pendant 3 heures. Et ensuite, j'ai revu Patterson parce que j'étais sorti du film. Pendant 3 heures, j'ai trouvé environ 400 exemples qui m'ont intéressé. Donc c'est vraiment, il y a un déclencheur. Et je peux voir, je ne sais pas, revoir Skyfall de James Bond et retomber sur la scène du métro. Je me dire, tiens, le métro, j'ai envie de le refaire. J'ai envie de faire quelque chose sur le métro. Je peux tomber sur une scène de meurtre dans une piscine et me dire, tiens, la piscine, c'est quand même un lieu génial de cinéma. Et tout de suite, il y a 100 exemples, 150, bientôt 300, en fonction des heures que je passe à réfléchir, qui me viennent à l'esprit. Et quand j'ai suffisamment d'extraits de scènes magnifiques par rapport à un lieu ou par rapport à une thématique, là je me lance vraiment. Et je revois les films, je déroche les films, je déroche les scènes, je prends beaucoup de notes et je construis un puzzle par rapport à une thématique comme la piscine, la baignoire, la douche ou autre thématique. Alors moi j'aime beaucoup faire des recalls, c'est-à-dire que j'aime beaucoup finalement ne pas parler en bleu. J'aime beaucoup raconter une histoire de personnages qui vont prendre le métro ensemble et qui vont se passer le relais. Et le recut sur le métro est moi l'un de mes préférés parce qu'à un moment donné, au début de ce montage, Michael Fassbender dans Shane regarde Natalie Portman dans Black Swan et le raccord entre les deux est parfait sur la musique de Shane. Et je trouve que c'est beau parce que c'est deux acteurs que j'idolâtre.
qui ont fini par tourner ensemble dans le dernier Terrence Malick, et qui à l'époque n'avaient pas tourné ensemble quand j'avais fait le Ringer. Et pour moi, c'est le fantasme. C'est évidemment, l'histoire du cinéma est suffisante. Évidemment, j'ai pas vu tous les films, il reste plein de films à découvrir. Mais si en plus, par la rêverie cinéphile, par le Ricut, on peut rêver à un film qui n'existe pas et le faire exister le temps de 5 minutes, je trouve que c'est assez joli. Blow Up n'existe que sur le web, Arte. Il n'existe pas à l'antenne. Je pense que je ne pourrais pas le faire à l'antenne d'Arte. Parce que la liberté est telle que je pense qu'il y aurait des contraintes différentes à l'antenne. Les budgets seraient différents. Je pense que par ailleurs, il me semble assez impossible de le faire surtout sur un autre web que le web d'Arte, car le web d'Arte est un lieu de liberté assez fantastique. Ce n'est pas pour dire forcément du bien de mes commanditaires, mais il se trouve que je n'ai vraiment pas à me plaindre de la façon dont on me traite, et que la liberté qu'on me laisse sur le web, pas à l'antenne, sur le web d'Arte, c'est une liberté à 99,9%. Je n'ai jamais connu de projet professionnel comme ça. Moi, je regarde ce que font mes camarades de concert-cuit, je regarde ce que font mes camarades de personnes de trax. La plupart du temps, j'aime. Il y a des choses que j'aime moins. Parfois, ce sont des magazines télé. Donc, de fait, il y a une grande différence. Mais j'aime bien le magazine Beats, par exemple, qui est exclusivement sur le web. Et je vois qu'il y a toujours une différence entre un magazine web ou un magazine télé. Et c'est normal. C'est pas le même média. Nos sujets web sont forcément, de fait, un peu différents. Moi, j'ai une liberté par rapport aux extraits que je pourrais pas me permettre à l'antenne, donc effectivement les crossovers sont certainement possibles, mais par rapport à des magazines web. Bah, vous posez une colle. Incapable de répondre. Ça me semble trop complexe, honnêtement. Surtout que je ne suis pas très... je vais pas être très intéressant sur le sujet, c'est surtout ça le problème. C'est marrant que vous disiez ça. Bon, là aussi, je peux difficilement répondre. C'est une bonne question, c'est une bonne blague. Mais je peux vous parler de Palma par ailleurs. Moi, je vais le louper. C'est le problème. Je rêve de voir enfin Travolta et moi, de Patricia Mazou. Il passe seulement demain à 14h. Après-demain à 14h30, je pars à 10h. Je ne pourrais pas le voir. Travolta et moi est un film dont j'ai beaucoup entendu parler. La bande-son est paraît-il extraordinaire. Ça danse pendant une demi-heure en continu. Je ne l'ai jamais vu. Et c'est un film qui est tenu rare, peut-être pour des questions de droit, musicaux, je ne sais pas. Et je me suis dit qu'entrevue, programmant ce film, j'allais enfin pouvoir... ne pas rater l'inratable, et bien je pars trop. Mais pour répondre à votre question, évidemment, c'est le film que j'ai beaucoup envie de voir. Et sinon, effectivement, il y a un film dont on m'a parlé, Le Père, de Claude Chabrol, aussi fait pour la télévision, qui a l'air assez extraordinaire. Merci à vous.